Imagine-toi, tu fais top 1 50 kills sur Fortnite. World record. Imagine-toi, tu pètes. Attends. Bon, l'été pas ouf, hein, on va pas se mytho. Aujourd'hui, on va réagir aux personnes les plus chanceuses du monde qui ont été capturées en caméra. Des personnes qui ont survécu à des accidents extrêmes, des accidents de voiture. Ne vous inquiétez pas, aucune personne n'est morte dans cette vidéo. C'est ça qui est cool, ma boy. Il faut savoir que ça a niqué mon rythme. Hier matin à 4h du mat, j'étais encore sur le PC, je faisais que de me mater ce genre de vidéo-là. C'est genre les 20 personnes les plus chanceuses du monde, les personnes qui ont frôlé la mort et tout. Et ben je me suis dit, je vais en faire une vidéo et on va réagir ensemble. Âme sensible, s'abstenir, c'est très important parce que ils ont frôlé la mort, les refs. Bref, sur ce, on perd pas plus de temps. Bon, j'espère avoir de la chance. Je croise les doigts pour que vous n'oubliez pas de lâcher un like à cette vidéo-là. Et merci les amis à tous ceux qui s'abonneront à la chaîne. Vous êtes 40% à être abonné à celle-ci. 60% malheureusement d'entre vous ne sont pas encore abonnés. Donc clique bien sur le bouton rouge s'abonner. Si tu es nouveau, ça fait très plaisir. Sur ce, bon visionnage. Il m'a touché, je l'ai senti frère. Je mens pas. Oh! Oh! Quoi? Il a été propulsé par le train, frérot! J'aime pas ces délires là. Franchement, les délires de train, frérot, avec les rails, moi ça me fait instantanément penser à des gens qui se font. Qui perdent leurs membres. Ah! Bon! Juste avec ça, je conduirai jamais de moto de ma vie. J'aime bien le vélo, mais la moto, frérot, non, tu vois, t'as pas une carrosserie qui te protège autour de toi. Oh! Oh putain! Oh putain, il s'est rattrapé! Ah non, mais lui c'est parce qu'il a mis le code Unchained. Pour un maximum de chat. Et je te parle pas de cette chat, et ni de cette chat. Ah, prévention. Ça, c'est déjà arrivé quand j'étais en train de conduire avec mes parents. Il y avait un camion devant nous, il avait neigé, sauf que le gars, il avait laissé une couche épaisse sur le toit du camion, avec le vent sur l'autoroute. La neige est tombée du camion, frérot, et on voyait plus rien sur le pare-brise. Ça ne l'avait pas pété, mais on voyait plus rien, genre. Donc on a freiné d'urgence, on s'est mis sur le bas-côté, on a enlevé toute la neige. Donc faites attention, les amis, si vous avez de la neige sur les voitures avant de partir, enlevez-la, sinon ça tombe derrière et ça peut cacher la visibilité d'une autre caisse. Non, mais faites pas ça. Pourquoi vous voulez faire les intelligents comme ça? Ta maman, elle t'a dit quoi, ta maman? Regarde, le mec il tripe. Oh, mais frérot, mais mec. Alors là, qu'est-ce que tu fous là, la mouette? T'as pas de choses à foutre. De deux. Regardez le mec, regardez celui-là. Ce qu'il fait comme mouvement, je kiffe. Quand je suis en Angleterre, c'est des tarés les militaires là-bas. Enfin, les militaires, les gardes, je sais pas comment. Les gardes de la reine. C'est pas des tarés. Mais je me souviens la classe de collège qui était autour du garde rouge, frérot. Et tu vois, on essayait un petit peu, voilà, de le pincer, d'essayer de le faire bouger, etc. Non. Le mec, il reste droit comme un i, frérot. Et si t'en fais trop, eh bien le mec, il sort son arme. Enfin, il la pointe pas sur toi, tu vois. Mais il sort son arme, frérot. Et il fait un pas en avant pour te faire peur. Et regardez comment il marche. La chatte du gosse, mec. Oh, mais qu'est-ce que... Non, pas contre ça, non, mais ça, c'est abusé, ça. Mais attends, mais quoi? C'est une autoroute, y'a un mec au milieu. Mais pourquoi y'a un mec au milieu, là? Mais attends, mais le mec, il a dû se faire hyper mal. Et le gars, là, il a failli crever en passant sous le camion, regardez. Bang. Oh. Attends, non, mais il troll, là, le mec. Mais il troll le mec. Mais c'est quoi ces mecs? Il est sur une autoroute. Là tu vois on parle de chance mec. Mais c'est pas de la chance, ça c'est de la débilité les gars. C'est débile. Il y a un tracteur, le mec il est en moto, je vais passer dessous sur une autoroute. T'imagines le mec en haut il prend peur frérot, il décide de tourner. Il faut jamais traverser. Je sais pourquoi il fait ça, mais pourquoi il fait ça? Ne passez jamais sur des rails de train, pourquoi? Parce que des fois il y a des rails qui sont électriques. Tu passes dessus, tu t'électrocutes frère. C'est fini. Oh putain, j'ai eu peur sa mère. Alors ça c'est un délire que je voulais faire quand j'étais jeune. En mode d'aller dans une cage, te protéger, etc. Mais attends, t'as vu le bail? T'imagines, tu t'avais ta main là, t'avais plus de main. Fini. Qu'est-ce qui va se passer? Oh. Mais personne n'a remarqué. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'est... Hey, est-ce que ça vous est déjà arrivé des bails comme ça dans la vraie vie? Non, moi, je pense que la plus grande chance que j'ai dans ma vie, c'est d'avoir mon bac. Je vous jure, les gars, je sais pas comment je l'ai eu, hein. Il est pas mort, les gars. C'est des Français, putain. Alors, ça me rappelle des souvenirs parce que ça, frérot, du canyoning, j'en ai fait. J'en ferai plus.
Voilà, j'en ai fait une fois, j'en ferai plus les gars. Je sais même pas pourquoi j'en ai fait une fois dans ma vie. C'était en, je sais plus, c'était en troisième frère. J'avais fait du canyoning, c'était en août. Une horreur, j'avais plus de peau sur les mains mec. J'en avais fait tout le week-end, j'avais plus de peau sur les mains. Parce que le canyoning tu dois le faire sans gants. Parce qu'avec gants, eh bien, tes mains elles collent pas à la pierre. De deux, il faut que tu fasses des jumps de taré. De trois, des fois tu dois passer. De trois, des fois il y a des fentes frère. Et tu dois passer, vous savez, en te collant ton dos et mettre tes pieds sur l'autre paroi et avancer comme ça. Et en bas c'est un énorme trou ultra profond, tu vois. Si tu te loupes, tu tombes, t'es bloqué. Ça m'avait traumatisé, j'ai arrêté. Et ça me traumatise encore plus. Mais pas ça aussi. Attends, pourquoi il y a un autre mec de l'autre côté? Des fois, les gars, je vous jure, il y a des trucs, c'est trop chaud, donc on le met pas dans le montage. Mais là, frérot, tu vas le mettre en fait. Attends, quoi? Le mec, il part en courant et là. Ah, qu'est-ce que tu fous, frère, ma moto? Et il y a un mec qui était aussi dessous, what? What the fuck? Fernando Alonso somehow walked away. Attends, c'est quoi la chance qu'il va y avoir là? Je comprends pas. Il va revenir? Dis-moi pas qu'il va revenir. Oh putain de merde! Alors ça en vrai, ça c'est putain de chat. De jeter un avion pour qu'il revienne, chapeau. Chapeau l'artiste. Ouh le poteau! Le poteau qui sauve à la vie. Il y a plein de poteaux. Et les poteaux les gars, vous avez vu combien de vies ça a sauvé les poteaux déjà? Regardez! Y'avait pas le poteau qui arrêtait la caisse, elle se faisait chlage les jambes! What the fuck? C'est quoi, c'est GTA 5 là? C'est quoi? Pourquoi il y a des caisses qui rentrent dans des magasins? T'imagines le mec, il est là, parking. Oh, moi je connais pas les parkings, frérot. Moi je vais tout droit, je peux chercher mon paquet de chips et je ressors en marche arrière. Oh, mais what the fuck? Attends, quoi? C'est quoi, c'est un métro? Ouais, c'est un. Ok, je vois les rails au sol. Attends, quoi? Attends, mais le wagon il passe au milieu de... Quoi, ça coupe la route en deux, mais il y a une vitesse, regardez le bail. Je comprends pas. Ah ouais. Ah ben lui c'est pas pareil. Lui c'est parce qu'en fait il voulait pas des chips. Lui en fait il avait un rendez-vous au dentiste, mais il voulait pas sortir de sa caisse. Pouh. Attends quoi. Pouh. Attends quoi. Attends, ça c'est le mec qui a le plus de chat. Donc, attends. De base le mec il est en vélo, il y a une caisse qui porte des matelas dans la remorque et il se percute et le matelas du 4x4 tombe sous le mec avant qu'il se pète la gueule. Vas-y, j'y crois pas. Les gars, si vous y croyez pas, mettez un pouce bleu. Faites-vous plaisir. Hein. Allez hop là. Pam, petit pouce bleu. Oh yeah. Comédie, oh yeah. Oh. Même la caisse, elle a chaté l'autre. Vas-y les gars, je commence à... Oh, j'en peux plus. Oh, je commence à... Ah, je commence à... Mon cœur là, il en peut plus les gars. Je suis pas bien. Mais what? Quoi, il a fait... Il est allé à 50 à l'heure, l'éléphant, quoi. Vas-y, la vie, j'arrête. Bon, allez, là. Vas-y, les gars, la vie, j'arrête. Bon, on aura fait notre cardio, en tout cas, les amis. Écoutez mon cœur. Faites attention à vous. Ne traversez pas la route au milieu des autos. Ne traversez pas les autoroutes à pied. Je pense que vous le savez déjà. Là, c'était vraiment des cas extrêmes. Heureusement, ils ont eu de la chatte. Et c'est pas cette chatte là et ni celle-ci, attention. Je vous vois petit coquin. N'oubliez pas les amis, merci en tout cas à tous ceux qui me soutiennent en ce moment avec le code créateur Unchain dans la boutique pour un maximum de chatte. Merci en tout cas à ceux qui le mettent. On n'oublie pas de s'abonner, activez bien la cloche. Et j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Ça change de mes vidéos gaming de d'habitude. On s'est pas fait chier ma gueule, tu vois. Bref, les amis, sur ce c'était Unchain. On se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Soit sur la chaîne principale, soit sur la chaîne secondaire. Ciao bye, c'est merde.